I'd now like to introduce our second keynote speaker from Burundi, Minister Victoire Nidikumana. Minister Nidikumana has been involved in Burundian politics for over two decades, in which she has held the roles of Minister for Women's and Social Affairs, as well as her current post of Minister for Commerce, Industry, and Tourism. She served as a Member of Parliament from 1993 until 2010. During that time period, she served from 98 until 2003 as the chairperson of the Committee for Finance and Budget of Burundi. From 2004 until 2005, she served as the Deputy Speaker of the Transnational Parliament. In addition to this, she's been a strong proponent for effective and sustainable economic growth in Burundi, particularly through the tourism sector. Aside from her political role, Minister Nidikumana has a number of interests and initiatives in wider society. She was the chairperson of the East Africa Community Sectoral Council on Tourism and Wildlife, for example, in 2011. 2011 is an interesting year as well because it was actually the first time that Burundi participated in this big ITB tourism exhibition, which is taking place this week. Not only was it the first time that they participated, but they actually won that year Best Exhibition Award for Africa. So in that sense, it's a new tradition for Burundi to take part in ITB, but we're very happy that you are, and we're very happy also that you've extended the honor to us to come and to speak at the Institute for Culture Diplomacy today. So I would ask you all to please join me in a very, very sincere welcome for Minister Victoire Nidikumana. Thank you. Merci pour la parole que vous me donnez. Excellence, mesdames et messieurs les ministres Syriana, mesdames et messieurs les chefs de mission diplomatique et des organisations internationales, monsieur le directeur de l'Institut pour la diplomatie culturelle, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est pour moi un honneur et un plaisir de participer aux travaux de ce Congrès économique international de Berlin, qui se tient parallèlement au Salon international du tourisme ITB de Berlin. Qu'il me soit donc permis de remercier sincèrement M. Mark Donfried, directeur de l'Institut pour la diplomatie culturelle, d'avoir invité mon pays, le Burundi, à cette importante conférence dont le thème cadre bien avec les ambitions et les préoccupations de mon pays. L'objet de cette communication est de vous informer sur les initiatives prises par le gouvernement du Burundi pour améliorer le climat des affaires et sur les opportunités d'investissement au Burundi. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais revenir un tout petit peu sur le cadre politique et social du Burundi. Juste un petit rappel parce que notre ambassadeur l'a déjà dit. Après bien des années de crise, les Burundais ont négocié et signé un accord de paix en août 2000. Cet accord a jeté les bases des principes fondamentaux consensuels de gestion démocratique du pays et de partage du pouvoir entre les différentes composantes de la population burundaise. Des élections générales ont été organisées en 2005 et en 2010, dotant ainsi le pays d'institutions républicaines et démocratiques stables. Les autorités du pays, du sommet à la base, s'attellent aujourd'hui à la reconstruction sociale et économique du pays. Des mesures sociales en faveur de la population ont été prises et produisent déjà des résultats. Il s'agit de l'éducation gratuite pour tous les enfants en âge scolaire et des soins de santé gratuits pour les enfants de moins de 5 ans et des mères enceintes. Excellences et distingués invités, mesdames et messieurs, dans le domaine économique, des réformes importantes sont en train d'être menées en vue de réduire la pauvreté et de générer une croissance économique soutenue. Dans le temps, le secteur public a joué un rôle prépondérant dans l'animation de la croissance économique au Burundi. Mais depuis quelques années déjà, le désengagement de l'État du secteur productif en faveur du secteur privé et la libéralisation de l'économie constituent les axes fondamentaux de la gestion économique du pays. De ce fait, la vision Burundi 2025 et le cadre stratégique de croissance et de lutte contre la pauvreté CSLP2 font du secteur privé
le moteur du développement et d'une croissance accélérée. La matérialisation de la participation du secteur privé dans la relance de l'économie passe par l'amélioration du climat des affaires, doing business, en vue de créer un environnement favorable à la croissance des investissements, tant nationaux qu'internationaux. Il passe également par le développement de mécanismes innovateurs de soutien aux investisseurs privés et le développement du partenariat public-privé et de dialogue avec ses partenaires. C'est ainsi que dans le cadre de la coordination de l'aide qui est accordée au Burundi et en accord avec ses partenaires techniques et financiers, le gouvernement a mis en place le groupe sectoriel pour le développement du secteur privé, qui est un forum formel dans lequel le gouvernement, les partenaires au développement, le secteur privé et la société civile se rencontrent pour mener des discussions à propos de la planification et du suivi et évaluation des actions en faveur du secteur privé. Une stratégie nationale de développement du secteur privé est en cours d'élaboration et pourra être disponible au second semestre 2012. Au cours des 5 dernières années, le gouvernement a pris de nombreuses mesures pour améliorer le climat des affaires. Ainsi, au niveau du cadre institutionnel, des institutions spécialisées ont été mises en place pour gérer et accompagner la libéralisation de l'économie. On peut citer notamment le ministère à la présidence chargé de la bonne gouvernance et de la privatisation, qui est chargé d'améliorer la gouvernance économique et financière et de piloter le programme de privatisation des entreprises publiques. Des institutions spécialisées en matière de lutte contre la corruption et des malversations économiques lui sont rattachées. Il s'agit de la Brigade anticorruption et de l'Inspection générale de l'État. Le maître mot est la tolérance zéro contre la corruption et les malversations économiques. Il y a ensuite le ministère à la présidence chargé des affaires de la communauté est-africaine qui est responsable du pilotage de l'intégration du Burundi dans cette organisation. L'adhésion du Burundi à l'East African Community nous ouvre un marché régional plus vaste avec la perspective de facilitation pour le transport de produits tant importés qu'exportés. Il y a également l'Office burundais des recettes, OBR, qui est une institution chargée de la collecte des recettes douanières, fiscales et non fiscales. La mise en place de ce service permet d'harmoniser les procédures de collecte des recettes avec les autres pays de l'East African Community, mais également un traitement rapide des dossiers et un accroissement des recettes de l'État. Je citerai également l'Agence de promotion des investissements, API, dont le rôle est d'encadrer les investisseurs et de leur faciliter la tâche dans le processus d'implantation. Elle gère également l'octroi des avantages du Code des investissements. Il y a aussi le Bureau burundais de normalisation, le BBN, qui gère tout ce qui est en rapport avec le contrôle de la qualité et l'édiction des normes. Un accent particulier est mis sur les produits susceptibles d'avoir un impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Nous avons également comme institution le cadre de dialogue et de concertation pour un partenariat secteur public-secteur privé qui a été institué en juin 2008. C'est un forum d'échange et de dialogue sur les préoccupations du secteur privé en vue d'y trouver des solutions concertées et appropriées. Le secrétariat permanent de ce cadre est fonctionnel depuis la mi-août 2010. Enfin, nous avons la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, avec ses chambres sectorielles et transversales. Même si c'est une émanation du secteur privé, le gouvernement s'est beaucoup investi pour que la réorganisation de l'ancienne chambre de commerce soit effective, et nous ne pouvons que nous réjouir du résultat, car le gouvernement a aujourd'hui un partenaire avec lequel il peut dialoguer et discuter. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, au niveau du cadre légal et réglementaire, un bon nombre de lois régissant les activités économiques ont été revues et modernisées en vue de s'adapter au contexte changeant du développement économique et de répondre aux préoccupations des opérateurs économiques et des investisseurs.
On peut citer, entre autres, la révision du Code de commerce, de la loi sur la concurrence, la loi sur la faillite et le concordat judiciaire. Il y a également le Code des douanes avec un tarif extérieur commun EAC, East African Community, dont les taux sont de 0% sur les biens d'équipement et les matières premières, 10% sur les produits intermédiaires et 25% sur les biens de consommation. Nous pouvons citer également le Code des sociétés privées et à participation publique, qui a été promulgué le 30 mai 2011 et qui introduit des innovations importantes en rapport avec la gestion transparente, la mise sur pied des organes sociaux et surtout la protection des actions minoritaires. Il y a également le Code des investissements qui a été adopté en 2008 et qui est fondé sur une politique ouverte et libérale pour encourager l'entrée et l'établissement des investissements directs étrangers, sans oublier l'investissement local. Sa gestion est simplifiée et a été confiée à l'Agence de promotion des investissements. Nous pouvons également signaler qu'il y a un régime de zone franche qui existe pour encourager la production à l'exportation. Au niveau de la simplification des procédures administratives, des réformes du doing business ont été entreprises en vue de réduire au minimum le nombre de procédures administratives, le coût ainsi que la durée d'obtention des documents. Un guichet unique pour la création de sociétés est déjà fonctionnaire à partir de ce mois de mars. Des structures de réforme du doing business mises en place en novembre 2010 ont travaillé d'arrache-pied pendant les 5 premiers mois de l'année 2011 sur 4 indicateurs, à savoir la création d'entreprises, la protection des investisseurs, l'octroi du permis de construire et le transfert de propriété. Alors que le Burundi était classé à la 181e place sur 183 pays dans le rapport Doing Business 2011 de la Banque mondiale, il a gagné 12 places en se classant à la 169e place sur 183 pays en 2012. Le Burundi a été donc classé en 7e position parmi les 10 pays les plus réformateurs au monde. Une mention particulière mérite d'être signalée au niveau de l'indicateur protection des investisseurs, où le Burundi est passé de la 153e place à la 46e position en 2012, soit une progression de 107 places. En même temps qu'on met en application les réformes sur ces 4 indicateurs déjà adoptés, d'autres équipes sont en train de travailler sur les indicateurs restants, à savoir le commerce frontalier, le paiement des taxes et l'accès au crédit. D'autres réformes sont également en cours. Il s'agit de la modernisation du secteur financier par le renforcement de la supervision des banques commerciales, des établissements financiers non bancaires et des institutions de microfinance. Il s'agit également de la modernisation des systèmes de paiement et d'établissement des mécanismes de développement des institutions financières non bancaires, ainsi que de l'amélioration de l'indice de l'information sur le crédit. On peut citer également les réformes visant l'amélioration de la gouvernance et de la performance des entreprises publiques, sans oublier le processus de privatisation. Voilà présenté brièvement les réformes qui sont menées par le Burundi pour améliorer le climat des affaires et encourager les investissements. Le Burundi n'a pas oublié de souscrire à des systèmes internationaux de protection des investissements, surtout contre les risques non commerciaux, en vue de sécuriser davantage les investisseurs. Nous citerons à titre d'exemple la Multilateral Investment Guarantee Agency, MIGA, depuis 1996, ainsi que l'Agence pour l'assurance du commerce en Afrique depuis 2000. Et comme peut-être certains le savent, d'autres ne le savent pas, le Burundi participe activement dans des ensembles sous-régionaux d'intégration, en vue, entre autres, d'élargir le marché aux investisseurs. Et c'est dans ce cadre qu'en collaboration avec le secrétariat de l'East African Community, le Burundi a organisé à Bujumbura du 28 au 29 novembre 2011 la première conférence sur le développement du bassin du lac Tanganyika. Cette conférence a mis en exergue les immenses potentialités et opportunités d'investissement qu'offre ce bassin
en termes de développement d'infrastructures diverses, de tourisme, d'agriculture, etc. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, ayant tracé brièvement le cadre ou l'environnement des affaires au Burundi, y a-t-il des opportunités d'investissement au Burundi? Oui, je dirais que tout est à faire, mais le gouvernement a ciblé quelques secteurs porteurs et à fort potentiel de rentabilité. Je citerai le secteur de l'agriculture, élevage et pêche, où des créneaux existent au niveau de la production des fruits, des fleurs, des céréales, des oléagineux et sans oublier la valorisation du café et du thé qui sont déjà les cultures d'exportation du Burundi. Il y a également des possibilités de pêche industrielle sur le lac Tanganyika parce que, comme certains le savent, c'est un des lacs, je dirais, les plus longs, mais avec une biodiversité importante. Il y a également le secteur minier, avec des possibilités donc, d'extraction et de transformation minière. Les mines qui sont déjà reconnues avec des quantités importantes, c'est notamment le nickel, où les chiffres qui existent montrent qu'on peut exploiter le nickel pendant au moins 80 ans. Il y a l'or, il y a également le coltan. Il y a également des possibilités d'investissement au niveau de l'énergie, des opportunités d'exploitation hydroélectrique recensées en termes de 300 MW commercialisables. Il y a des possibilités de développer l'énergie éolienne au bord du lac Tanganyika. Et il y a également un grand potentiel pour le développement de l'énergie solaire. Il y a dans le secteur du tourisme un grand potentiel de l'écotourisme, du tourisme balnéaire et de sport nautique sur le lac Tanganyika. Et il y a également des possibilités de développement de diverses activités de thalassothérapie, entre autres. Il y a également tout ce qui peut être fait au niveau de l'amélioration et du développement du transport maritime sur le lac Tanganyika, un lac dont, qui est bordé par quatre pays, à savoir le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la République démocratique du Congo. Nous sommes conscients des défis qui nous attendent, mais également, nous pensons que certains de ces défis peuvent être considérés pour nous comme des opportunités qu'il faudrait explorer. À titre d'exemple, la situation géographique fait que le Burundi est un pays enclavé qui est situé à la périphérie des États de l'Afrique de l'Est, de l'East African Community. Mais également, cette position peut être exploitée comme une fenêtre entre l'East African Community et le vaste territoire de la République démocratique du Congo. Et dans ce cadre-là, nous disons que Burundi is not landlocked, it is landlinked. Le Burundi est également un pays francophone. Et donc, des fois, il y a un problème de communication par rapport aux sous-ensembles économiques régionaux auxquels le Burundi a adhéré, notamment l'East African Community et le COMESA, dont la plupart des pays membres sont anglophones. Mais là également, nous pensons que de par sa position et l'appartenance à un groupe anglophone et à un groupe francophone peut être une position privilégiée. Et face à cette situation, le Burundi a l'ambition de devenir bilingue car les deux langues constituent une valeur ajoutée pour le Burundi. Excellences, distingués invités, mesdames et messieurs, voilà présenté brièvement la situation, je dirais, au niveau économique du pays, les ambitions que nous avons pour notre pays. Il y a beaucoup de choses à faire, mais nous pensons qu'avec le soutien de tout un chacun, nous pouvons avancer. Donc vos commentaires, vos suggestions, vos contributions sont les bienvenues. Je vous remercie de votre aimable attention.